Le CAC 40 perd 0,32% à 3913 points à 11h dans un marché pénalisé par l'incertitude qui entoure l'évolution de la politique monétaire américaine. En effet, les investisseurs s'inquiètent d'un possible arrêt de ce programme de rachat qui a soutenu largement les marchés actions depuis plusieurs mois. Côté valeur, Carrefour et Publicis sont mal orientés aujourd'hui, tandis que Soitec et Alten affichent des progressions significatives. Parmi les plus fortes hausses aujourd'hui, Cegedim gagne 5%. L'éditeur de logiciels a publié un résultat brut d'exploitation au premier trimestre en hausse de 24% à 19,5 millions d'euros. Les dirigeants ont confirmé les objectifs pour l'année en cours. Cegedim poursuit sa série de bonnes publications lui permettant de consolider la confiance retrouvée du marché. Des cessions d'actifs pourraient même réveiller davantage le titre. Conservez Cegedim en portefeuille. En baisse aujourd'hui, Carrefour cède 4,2%. Le numéro 2 mondial de la distribution est lourdement pénalisé par une dégradation de HSBC qui est passée à sous-pondéré contre neutre auparavant. Le groupe est également affecté par la publication d'un mauvais chiffre d'affaires trimestriel de la part de son concurrent Tesco. Nous pensons toujours que le titre va rebondir. Les signaux encourageants de l'activité au premier trimestre dans les trois marchés clés que sont la France, la Chine et le Brésil nous conforte d'ailleurs dans ce scénario. Achetez Carrefour. Demain, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage seront attendues par la communauté financière à 14h30. À demain donc pour un nouveau point bourse.